je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Ah, te voilà, Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques? Pyro quoi? Pyrotechnique. Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Oh, ça y est, le voilà enfin. Super Éclair. Youpi! Oh non, il s'en va déjà. Je dois à tout prix le rencontrer. Nous y voilà, Léo. Voici les appareils pyrotechniques. Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut, ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut. Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol. Ce qui causerait un incendie. Tu as tout compris. Mais ces appareils sont bien en place, alors tu peux lever la barre. Il est là! Super Éclair! Super Éclair! Aïe! Ben? Oh non! Super Éclair! Non, ralentis! Oh, Ben! Désolé, Léo, mais je dois rattraper Super Éclair! Oh! Ouf! Il pointe toujours vers le haut. C'est bon! Super Éclair! Bob le bricoleur! Oh, bonjour! Enchanté, Éclair! Oh, tu as un marteau et un ciseau à bois! Ah, oh, j'adore tout ce qui a un lien avec le bricolage! Regarde, Éclair, j'ai un crochet! Je suis le roi de creusage! Éclair, désolé, mais on doit y aller. Carl veut qu'on teste ton harnais de sécurité. Et j'aime par-dessus tout les tractopelles et les grues! Super crochet! On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, super Godet! Super Éclair ne doit pas être bien loin. Et Ben? Oui? Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts. S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas. Aucun problème, Zoé. Zoé! J'ai des voyants verts dans mon champ de vision. Et Super Éclair aussi! Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair! Tractopelle, camion Ben et grue, bienvenue au championnat du monde des machines! Ouais! Il est grand, fort et bleu, il peut soulever et transporter tout ce qu'il attrape. On applaudit Cox et grue! Un tonnerre d'applaudissements pour le gros camion Ben qui a un cœur gros comme ça. Ben! C'est moi! Et enfin, on applaudit la tractopelle au corps de plate, Scoop! Allez, Scoop! Merci, Tourneboule! Et bonne chance à tous les concurrents, surtout à moi! Comme ce sont les premiers championnats du monde des machines de l'histoire, dans chaque discipline, vous établirez un record du monde! Ouais! Je vais être un champion. Première épreuve, soulevé de poids. À vos marques, prêts, soulevé. Oh. Oh. Et le gagnant est... la haute grue bleue. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Oh, bien joué, Coxigru. Tu viens d'établir un nouveau record du monde. Comment tu as fait pour aller aussi haut? Eh bien, c'est vraiment facile. Mon bras de levage est hydraulique. Je l'ai étendu jusqu'à atteindre une hauteur supérieure à celle de mes concurrents. Deuxième épreuve, lancer de pneus. Le lancer le plus lointain sera un record du monde. C'est facile, je pourrais faire ça les yeux fermés.
Scoop, tu aurais peut-être dû essayer de lancer ton pneu avec les yeux ouverts. Oh! Hop là! C'est gentil. Tu vas me faire rougir. Tu es toujours rouge, Ben. C'était un beau lancer. Hé, hey, les machines. Hein? Je vais avoir besoin de vous sur le site, s'il vous plaît. Oui, on arrive dans 2 minutes. Une fois que j'aurai établi un record du monde. Dernière épreuve, course de vitesse. Concurrents, démarrez vos moteurs. À vos marques, prêts. Scoop est comme neuf. Hourra! Bien joué, Scoop. Bonne nouvelle. Qui est le prochain sur la liste? Oh, non. Coxigru. Hein? À ton tour. Non, pas moi. Je ne veux pas de contrôle technique. J'ai peur. N'aie pas peur, Coxigru. Je parie que tu es plus courageux que moi. Tu penses vraiment ce que tu dis? On n'a qu'à le passer ensemble. Merci, Scoop. Ça nous fait 2 contrôles techniques. C'est parti. À nous 3, les machines. Oh. Plus vite, s'il te plaît. Plus de puissance. On est bon. Oh. Excellente bande de roulement. Quel cercle parfait. Très bien. Allume ton feu tournant maintenant. Plus haut, s'il te plaît. Encore un peu. Merci. Tuyau d'échappement. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Terminé. Ils ont réussi leur contrôle technique haut la main. Ah! Je reviens. Non. D'accord. Je crois qu'il y a un problème. Alors, quelles sont leurs notes? Eh bien, quand j'ai contrôlé Ben tout à l'heure, je lui ai mis 10 sur 10. La note maximale. Youhou! Quant à Scoop, il a eu 10 sur 10 lui aussi. Ouais! Oh, j'ai eu si peur. Et enfin, Coxigru. Il a eu 10 sur 10 aussi. Ouais, oui, on a réussi tous les 3. Je savais que j'aurais la note la plus haute depuis le début. Il y a bien un tout petit problème. Oh non. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Je vous l'avais bien dit, hein. Oh, ce n'est pas vrai. Pas de panique, Coxigru. Vous êtes tous les 3 en excellent état. Toi, en revanche, Bob, hein? Tu aurais besoin d'une bonne douche. Oh. Ou d'un bon coup de jet. Oh non. Attends. Hey. D1-1-D, attention, il y a un grand méchant robot de l'espace derrière toi. Ah, le cache de l'objectif. Je me disais aussi, je n'y voyais rien. Ah, oh, salut. Ce plateau a de l'allure, jeune homme. Vous faites du bon travail. Alors, pour recouvrir la surface de la Lune, nous avons 2 types de sable à vous proposer. Le premier est relativement foncé. Et le second est beaucoup plus clair, comme vous le voyez. Personnellement, j'ai une préférence pour le premier. Moi aussi. Ah, très bon choix, Zoé. Optons pour le sable le plus foncé. Oh. Merveilleux, fantastique! J'ai pensé à quelque chose. Pourrait-on lui faire une porte? Une porte qui s'ouvre pour que surgissent les robots de l'espace. Oh, ce serait formidable. Si c'est réalisable, bien sûr. Ça ne pose aucun problème, Carl. Si vous pouvez l'imaginer, je peux y arriver.
J'abandonne, Scoop. De toute évidence, je ne suis pas fait pour être acteur. Quoi? Tu es très talentueux, Léo. Regarde, c'est Sophie. Bonne chance pour le film, Léo. Comment je vais lui annoncer la vérité? Tu veux que je m'en charge, Léo? Si, papa, vite! On ne va rien dire pour l'instant. N'oublions pas, au cinéma, tout peut arriver. Désolé. Excusez-moi, laissez passer Ben qui transporte un grand méchant robot. Dis Zoé, tu n'as pas vu Léo? Pas depuis un moment, Scoop. Oh. Carl, dites-moi, c'est bien à cet endroit que vous voulez le grand robot? Ce serait parfait, Bob. À toi de jouer, Coxigru. Il est très lourd, alors lève-le tout doucement. Dirige-le vers moi. Et stop! Pose-le lentement au sol. Lentement. Voilà, c'est parfait. Excellent travail, Coxigru. Ça va être un super film. Dites tous les deux, vous n'auriez pas vu Léo par hasard? Si, je le vois tout le temps. Il voulait dire ce matin, Ben. Oh, non. Moi non plus, Scoop. Attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer le tournage de Robots de l'espace 3. Tout le monde est prêt? Super. Silence, moteur et... action! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Ça y est, je peux mettre Stella sur la rampe? Bientôt, Coxigru. D'accord. Maintenant, c'est bon? Ne sois pas pressé, on a largement le temps. Tu dois attendre que le béton soit pris pour mettre Stella en place. Encore un peu de patience. D'accord, Bob. Je serai patient. Mais je suis prêt! Voilà. Ça, c'est fini. Oh, ils ont fini. Je dois aller chercher Stella. On se calme. Sois gentil, montre-la nous. Je veux la voir aussi. Arrêtez, je dois la porter jusqu'à la rampe de lancement. Oh là là, ça tangue, doudou. C'est trop tôt, Coxigru, arrête. Surtout, n'avance pas! Non, tu vas déchirer le parachute! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Que se passe-t-il? Stella! Tout est perdu! May, je suis vraiment, vraiment désolée. Je voulais que tout se passe bien, mais tout se passe mal. C'est une catastrophe. Coxigru, je t'avais pourtant demandé d'être patient. Maintenant, je n'arriverai jamais à battre le record. Mon rêve est recouvert de béton pas sec. Ne t'inquiète pas. On fera décoller Stella d'une façon ou d'une autre. Ah oui? Vous pouvez vraiment faire décoller Stella? Oui, on peut! Le décollage est prévu dans 2 heures. Alors c'est parti, le compte à rebours a commencé. Tu verras, on sera prêt. Je sais que je peux compter sur toi et sur ton équipe. Coxigru, tu vas commencer par sortir Stella du béton. À tes ordres. Tout doucement. Oui, comme ça.